Man, c'est vraiment cool, hein, pareil. Je me promène dans un petit quartier qui est assez aisé. Puis, j'essaie d'admirer chacune des couleurs différentes qu'on peut voir sur les maisons. T'as du vert, t'as du rose, t'as du jaune. C'est très agréable à regarder. Puis un point intéressant, hein? Jeter un œil sur les toitures, sur le toit des maisons. C'est tout fait en calcaire. Puis le point intéressant avec ça, c'est vu que toute l'eau ici autour de l'île, c'est toute de l'eau salée. La seule façon pour avoir de l'eau dans les robinets, dans les aqueducs, il n'y a pas d'aqueduc en fait. Donc l'eau, c'est l'eau de la pluie qui tombe sur les toits de maison puis qui est filtrée par le calcaire. Ça descend sur le bord de la toiture, puis après ça, ça s'en va dans le fond du sol et c'est purifié tranquillement, pas vite. Je regarde ça, c'est tout blanc, c'est tout joli. Puis, j'ai rien à ajouter. Je me promène dans le quartier. That's it. Pour la suite, ben honnêtement, j'ai pas vraiment de plan. Je fais juste marcher et contempler. Je fais juste flâner tranquillement et je m'arrête un peu partout pour admirer l'océan et les vagues qui se brisent sur les rochers. Ça n'en prend pas plus que ça, hein, parce que c'est un peu ça, les Bermudes. C'est se promener et admirer ce qui nous entoure. Arrêter sur une belle petite plage, se baigner un peu, faire du snorkeling et juste apprécier le moment.